Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très très content de vous retrouver aujourd'hui pour tester, j'ai trouvé le jeu, hein, Power Rangers Battle for the Grid. Alors il est sorti il y a déjà quelques années, hein, je crois il y a 3-4 ans. Donc moi je le prends sur Nintendo Switch. Et donc c'est la super édition, hein, qui comprend les 3 season pass, les 3 premiers season pass. Là actuellement il y a la 4ème saison. Donc du coup je vais tester le jeu. Donc bon, un petit peu en retard entre guillemets, hein. Mais voilà, c'est cool parce que j'aimais beaucoup les Power Rangers à l'époque. Alors l'épisode 33 a commencé. Affronter d'autres joueurs dans les parties classées pour grimper dans le classement. Les meilleurs joueurs remportent des bannières d'épisodes uniques. Ok. Bon, moi je vais pas faire de online, je vais déjà découvrir le jeu. Alors, donc il y a histoire, donc il y a en ligne. Histoire, arcade, contre, alors ça je sais pas trop ce que c'est, entraînement, bon on va tester l'histoire. Donc chapitre 1, prologue. Ok. Chargement du chapitre. Ah, c'est pas mal la direction artistique là. Un peu en mode comics. Ah, c'est bien foutu. Zordon n'est plus, les Rangers et leur dernier rempart ont été écrasés. Tu t'es emparé de la lumière blanche. C'est un grand jour, Lord Dracon, je suis fier de toi. Alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Power Rangers, mais c'est vrai que j'aimais bien à l'époque, hein. Franchement c'était sympa. Zordon a choisi les enfants pour une raison. Leur espoir, leur optimisme, mais aussi leur naïveté. Leur capacité à être contrôlée. Mais tu sais, chaque enfant réalise la vérité. Leurs parents, pour toutes leurs strengths, sont incroyablement. Donc lui, je crois que c'est c'est Billy, hein, le ranger blanc. Il a été ranger vert, ranger blanc. Il avait trahi, effectivement, je crois, les rangers. Ah, là, il se retourne contre Rita Repulsa. Enfin, il reste maléfique apparemment. Bon, je pense peut-être un scénario inspiré de la série. Hein. Alors Jason, est-ce qu'on y retourne ou tu abandonnes? Ah oui, Kimberly Hart, ok. Jason Lee Scott, donc ça c'est les tout premiers, hein, ces deux-là. Après j'ai pas regardé toutes les séries. Bon, la première série, je me rappelle. Hein. Alors ça va être un combat d'entraînement peut-être, hein. Alors je croyais que tout avait été détruit. Bon, on va voir. En tout cas, c'est fluide. Bon, par contre, pour l'instant, je connais pas trop les attaques. Elle me saoule avec ses flèches, elle. Ah, on a deux barres, ok. Il peut pas utiliser son pistolet laser, en fait. Putain, elle me saoule avec ses flèches. Ah, elle a fait une super attaque là.
Ok, génial. Oh, je trouve que quand même pour un début... Ah si, il tire en l'air en fait. Putain, mais... Ah, oh, d'accord. Bon, je me suis pris une bonne raclée quand même. Je lui ai pas enlevé même pas une barre. Ok. Bah ça commence pas bien. Ah, je suis obligé de me retaper le... Attends. Passer B. Ok, faut maintenir le B, ok. Alors, liste de mouvements. Jason. Alors, flèche vers le bas et A. Tyranno élevé, ok. Contre Titanus sur le B, c'est un truc spécial. Roulade arrière, donc arrière et B. Tir de couverture bas XX pendant roulade arrière. Tir de couverture haut pendant roulade arrière. Ok. Triple en taille. Donc c'est des trucs avec B en fait, hein, j'ai l'impression beaucoup. Triple en taille 2. Après triple en taille frappé. Par contre je vois triple en taille, mais je vois pas de triple en taille frappé. Alors tir de blaster arrière, donc ça c'est en l'air, on appuie sur B, ok. Triple menace, YB. Ah oui d'accord. Il y a un coup d'une barre bleue, ça je comprends. Charge Tyranno A et B, ça prend deux barres bleues. Lancer avant, donc ça c'est une projection. Hein. X et A, ok. Lancer arrière. Ok, il y a pas mal de choses quand même. Ah c'est un compte ça, ok. Putain. En fait j'ai pas le temps de réfléchir à un truc là. Oh, mais franchement, je trouve que pour un premier truc, la difficulté elle est pas simple. Hein. C'est quoi les trucs avec les barres bleues là? C'est Y et B, ok, ou A et B, d'accord. Ah, pas mal. Putain, la salope. Désolé. Non, mais là. Désolé d'être vulgaire, mais c'est un truc de ouf. Non mais c'est un... Alors on va peut-être modifier la difficulté si on peut. Parce que là c'est, tu connais pas les commandes, tu découvres le jeu. Et le truc il te tombe dessus... Ah, attendez... Ça, c'est les mouvements, configuration des touches. Et on peut pas régler la difficulté? Alors ça, c'est dingo, quand même. On peut pas régler la difficulté, d'accord, bon. Bah écoutez... Bon, après, je suis pas un expert des jeux de combat, mais quand même... Non, mais... Attendez, elle me fait un combo, là...
En plus, elle a les flèches. Bon, on va y arriver, hein, mais... Ça, si je passe pas le... Enfin, c'est même pas un tuto, hein, d'ailleurs. Non, mais... Ah, putain, je l'ai loupé. Voilà. Putain. Ah! Génial! Ça l'a achevé? Ok, j'ai fait la. L'ulti niveau 2. Bon, pas simple, hein. Mais bon, c'est sympa, hein. Franchement, c'est dynamique, les coups répondent bien. Faut juste un peu maîtriser le gameplay, quoi. Ah, c'est Tommy, ok. Donc je dois me battre contre les deux en fait. Eh ben dis donc. Ça commence fort. Ah non, moi j'ai le Ranger. Ah non! D'accord. J'ai le Ranger vert là, donc super. Pas mal. Oula. Donc là je vais tester Kimberly. Et comment elle lance ses flèches? Putain. Ah, loupé. Ok, j'ai changé. Ah non. Attends. En fait, quand on connaît pas les coups... Alors, tir élevé... Alors, c'est avec le X pour les flèches, d'accord. Donc, arrière ou avant... Oh, il y a le A aussi, coup spartiate. D'accord, elle c'est beaucoup avec le X et le A quoi. Quoique, il y a encore des trucs avec le B aussi. Putain. Ah, il s'est protégé. Ah
putain. Ok, l'IA, elle adore les projectiles en fait, hein. Oh là, putain. Ah, avec la flûte. Oh, ça a pas tout marché sous lui, hein. Non mais... Bon, faudrait vraiment que je m'entraîne, hein, franchement. Là, je fais un peu du bidouillage, hein. D'accord, celui qui gagne choisit le film. Ok, donc cette fois, je suis Tommy le Ranger vert contre Kimberly le Ranger rose. Ah purée. Non mais et l'ordi, franchement, il te fait level expert, hein. Non mais sérieusement. Non mais l'ordi, il est ultra vitaminé, hein. Non, c'est une blague. Putain, non mais moi j'ai pas le temps de faire un truc, il me fait un combo de ouf quoi. Oh là 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 là. Ah, c'est un massacre, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et je me demandais, mais est-ce que j'ai un problème d'électricité chez moi? Non, pas du tout. Donc c'est un pic d'énergie dimensionnel, un court-circuit dans notre... Ok. Ranger, tenez-vous prêt, je détecte un transport arrivant d'un autre univers. Quoi? T'inquiète, personne ne peut entrer au centre de commandement sans pièce. Ah ben si. Lord Dracon. Ah, Lord Dracon. Ouais, sans la pièce de pouvoir, mais non. Eh oui, la sûreté selon Zordon, ça ne l'a pas sauvé d'où je viens, ça ne le fera pas ici non plus. D'accord, il vient d'un monde parallèle sans doute, où il a vaincu Zordon, Lord Dracon. Ok. D'accord, Tommy, si naïf, je suis ton destructeur. D'accord, c'est Tommy, mais version maléfique d'un autre monde. D'accord, ok. Bon, c'est pas mal, l'ambiance est bien, mais par contre, la difficulté, là... Dès le début, l'ordi, il est chaud, quoi. Ah d'accord, pourquoi j'affronte un ranger noir, là? Je sais pas du tout. Ah,
Ok. Bon, je pense que je vais devoir m'entraîner, hein, honnêtement. Non, mais là, c'est un truc de dingue. Non, mais... Non, mais... Hein ? Non, mais là, c'est ridicule, en fait, quoi. Non mais j'ai à peine le temps de tirer. Ah franchement, c'est ultra dur. C'est ultra dur. Non, c'est ultra dur. Sérieusement, le mastodonte ça ne triche. Je sais pas qui c'est. Bah, je vais essayer, hein. You know what they say. Too much pink power is dangerous. What do we got here? C'est vraiment chaud. Putain. Oh là là. Franchement, c'est dur. J'avais bien... C'est dommage que la difficulté, elle est trop élevée pour le début. Que ce soit comme ça vers la fin, je veux bien, mais là... Quand tu débutes le jeu, tu connais pas le gameplay. Enfin, c'est impossible, quoi. C'est pas un début de jeu, ça. T'as même pas le temps de... T'as le temps de réfléchir de rien du tout, hein. Yeah.
j'ai réussi à le vaincre, mais alors c'était chaud. C'était vraiment limite, hein. Ah, Tommy se fait capturer. Les cristaux se nourrissent de l'énergie verte du chaos. La sentue, sa destruction a déjà commencé. Ah, et un autre Ranger Rose, hein. Vite, ouvre le feu, détruis ce cristal et empêche-le de partir. Ah. Donc lui, du coup, on l'a un petit peu repoussé. Donc là, il y a Tommy, on voit Kimberly. Bon, il ressemble, voilà, aux acteurs qu'il y avait dans la première série, hein, pour Rangers, hein. Donc c'est une histoire parallèle, hein, voilà, hein, ce qu'on connaît, hein. Ah, merde, il est en arrêt cardiaque. Bon. Non. Il est mort ? Ah, c'est Jen Scott, elle vient du futur. Je suis ici parce que l'existence est en danger, seuls les Power Rangers peuvent la sauver. Power Rangers, Battle for the Grid. Ok. Mais bon, si Tommy il est déjà mort, bon. Et on peut pas le sauver du tout. À tous ceux qui entendront ces mots, je suis Zordon Deltar. Je viens de l'autre côté du grid pour vous avertir. Une menace nous guette. Ce nom est Lord Drakkon et ses armées grandissent. Ah oui, il a différents Rangers avec lui en fait, hein. Avec ses cristaux chargés de chaos, Lord Drakkon déplace ses troupes à travers le temps et l'espace. Elles ont trouvé une façon de cibler les Rangers avec des canons Black Dragon, qui sont conçus pour rompre toutes les connexions au Morphin Grid. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est voler des morpheurs. Ah. Avec eux, il veut conquérir l'existence. Dans ce temps rempli d'incertitudes, nous devons faire front commun et si possible, nous entraider. Défendez votre monde, protégez-vous et vos morpheurs à tout prix. Que le pouvoir vous protège. Ok, donc on est toujours dans l'acte 1, donc là c'est partie 3, lumière estompée. Bon, le jeu est sympa, hein, pas simple, mais le jeu est sympa. Puis on est vraiment bien dans l'ambiance, Power Ranger, donc ça c'est cool. Alors le mastodon s'intrigue, donc lui c'est un méchant. Hein. Et bien on dirait que tout le monde est parti. Udonna, je ne sais pas qui vous êtes, mais ces terres sont sous ma protection. Et vous êtes ici illégalement. Et puis quoi, tu vas nous battre avec ton bâton? Alors elle, c'est peut-être une ranger d'une autre série que je connais pas. Hein. Il y a eu tellement de séries Power Rangers depuis 20 ans. Plus de 25 ans même. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un qui utilise des gadgets comme Becky comprenne le pouvoir de la magie. Tais-toi, soldat. Parez vos blasters. Feu. Ok, donc. Donc je raffronte un ranger noir... Un peu la Rambo, oula. Putain. Ah, super. Ah, elle, j'ai bien aimé. Ah, elle, avec ses poires de glace, j'ai bien aimé. Bon, il est très rapide le noir, hein. Magical
Ah, super cette ulti là. Ah, il y en a encore un. Ah, j'ai gagné, mais c'était pas simple. Mais ils étaient deux en même temps. Ah, elle est pas mal, Udona. Ah, il y a Goldar. Ah, vos rangers sont perdus. La forêt mystique est tombée. Je te donne une dernière chance, Udona. Rends-toi maintenant. Donne-moi ton bâton. Et mon maître aura peut-être pitié de toi. Ton maître devrait se faire soigner le cerveau au Goldar. S'il pense que je vais me rendre à quelqu'un comme toi, alors il est vraiment idiot. Ah, je vais affronter Goldar. Ah, le pouvoir de la neige. Qu'est-ce qui se passe là? Bah pourquoi? Pourquoi je la contrôle plus? Il y a un bug? Ah non, moi j'ai Goldar! J'ai Goldar en fait? Bah pourquoi j'ai Goldar? Putain, mais je pensais que j'avais encore eu d'honneur. D'accord, moi j'ai Goldar, bon, super. Putain, je comprenais rien du tout, moi. Oh là là. Bon, par contre, comme au début, moi, j'ai perdu des HP pour rien. Les rangers mystiques doivent triompher. Bah, j'aurais essayé, ouais. Par contre, il a quoi comme mouvement, lui, Goldar? Alors, lui, c'est le X, beaucoup. Ok, bourrasque puissante arrière A aussi. Le geyser de Goldar B... Ok, alors c'est beaucoup avant ou arrière en fait. Hein. Bourrasque infect. Ok. Oh là là, eh mais... Elle s'arrête plus, hein. Bon, j'aime pas trop Goldar, hein, franchement. Ça la chope X et A, ok.
Tiens, elle arrête pas de me congeler, hein. Génial. Oh là là. Et je peux rien faire, là. Ah. Donc c'est loin d'être terminé, crétin, et quand je reviendrai plus puissante que jamais, ce sera pour te prendre tes ailes. D'accord, donc on a dû vaincre il a dû vaincre Goldar les autres rangers mystiques. Et il rapporte les autres morpheurs mystiques à notre seigneur. Ok. Mais c'était pas simple cette partie 3 là, surtout la fin, hein. Que Udonna, elle est très sympa, elle est légère et tout, alors que Goldar, il est lourd et tout. Dja, tu as vu ce qui est arrivé à tes amis? Quelques coups des canons dragons et leurs pouvoirs ont disparu, ils se sont évanouis. Alors dis-moi, est-ce vraiment nécessaire? Ah, donc là j'ai un ranger jaune. Jamoran. Le simple fait d'être pirate, non, je sais pas, ça fait un peu pirate. Le simple fait que tu me le demandes m'en dit beaucoup, tu ne devrais pas porter ce costume. We'll never give up without a fight. Ah, elle est pas mal elle. Par contre, c'est des lasers à mi-distance, hein. Par contre, ça, c'est bien. Ah, on peut utiliser des ordres. Comment ça marche, les ordres, là? Putain, je me suis pris un coup de truc. Comment on utilise les ordres? Ça ne me dit pas du tout comment on utilise le Zord. Oh là là. Bon, c'est dommage. J'ai un Zord, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Son fouet, il est bien. Génial. Mais par contre, j'ai un Zord, mais je sais pas comment l'utiliser. Ils le disent pas. Bon. Faut peut-être aller dans l'entraînement, hein. Alors, Ranger Slayer, assez, je m'occupe de celle-ci. Votre éminence, Ranger Slayer, bien sûr. Ranger Slayer, qui êtes-vous exactement? Je suis certaine que le nom en dit déjà trop. Alors, on dirait Kimberly, mais version mauvaise, en fait, hein. Donc, du coup, je vais jouer avec la méchante, je crois.
Enfin, si j'arrive à bouger un cil. Oh là là. Ouais, c'est genre Kimberly, mais est mauvaise, quoi. Et j'ai un Zord, mais je peux pas l'utiliser, c'est horrible. Non, j'ai du délai, je regarde sur internet. Parce que là, je sais pas du tout, et c'est vraiment con. Comment utiliser le Zord? En fait, pour eux, il n'y a pas du tout de tuto. C'est vraiment en entraînement, peut-être. C'est un peu n'importe quoi, quand même. Alors, comment on utilise ce Zord? D'accord, il faut deux barres de jauge MZ. C'est quoi? C'est des barres bleues en dessous ou il faut appuyer sur les deux boutons d'assistance. Bon. Ah si, c'est bon. Donc c'est L et R, faut appuyer sur L et R en fait, ok. Ah bah ça aide hein du coup hein. J'ai loupé. Non, j'étais vaincu. Oh là là. Bon, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire tout le mode histoire d'un coup, quand même. Là où ça fait 3/4 d'heure, bon, c'était surtout pour découvrir le jeu. De toute façon, il est clair que c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. En fait, le mode histoire, faut vraiment s'être entraîné avant. Peut-être avoir fait un peu d'arcade, ou au moins déjà s'être entraîné pour manier un petit peu les coups et s'habituer au gameplay. Parce que le mode histoire, j'ai pas l'impression qu'il y ait différents modes de difficulté. C'est direct chaud, on peut dire ça. Hein. Bon, en tout cas, le jeu est bon. Hein. Le jeu est beau. Les coups sortent bien, les coups sont sympas. L'ambiance est cool, les ordres qu'on peut appeler en assise, c'est cool. Donc franchement, c'est un bon jeu, l'ambiance musicale aussi.
Juste la difficulté, ça s'adresse, je pense, surtout aux pros du genre, hein, évidemment. Donc pour les néophytes, un peu comme moi, des jeux de combat, ou alors... pas néophytes, mais en tout cas, qui jouent un petit peu par-ci, par-là. Bon. Donc, pas avec du skill extraordinaire. L'IA, elle est pas pensée pour moi. Donc du coup, il va falloir que je m'entraîne. Bah écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, c'est rapide, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Moi, et lâchez vos commentaires. Et moi, de toute façon, je ferai d'autres vidéos sur ce Power Rangers Battle for the Grid. Continuer le mode histoire. Hein. Je sais pas si ça sauvegarde automatiquement, donc je vais voir. J'espère que je vais pas perdre tout ce que j'ai perdu là, tout ce que j'ai fait là, ce début d'acte 1. Et je vais m'entraîner surtout entre temps. Donc écoutez, prenez soin de vous, jouez bien, et à bientôt, ciao.